Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est GamerRage35, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. Donc, cette fois, ça va être pour analyser les séries de points. Donc, comme vous pouvez le voir là, il y a 600 de score pour le drone, pour le Scarab, qui génère, je pense que c'est à moitié une HCXD pour BO3, 700 de score, 850 de score pour le colis de drone, le drone de brouillage, c'est 1300. Le Vautour est 1800, 2200 pour le Rocket Trinity, donc ça va équivalent, ça c'est au colis stratégique, ça au drone de brouillage normalement, ça au rapace, la Rocket Trinity plutôt couperet, score cher c'est foudroiement à moitié, ça Hellstorm, mais Scorcher c'est à moitié, comment dire, la colère divine, Sentinelle électrique donc c'est la tourelle automatique, le gardien c'est un petit vaisseau mère moyen, tu vois. Un drone orbital, donc en gros, c'est le hater. Le Thor, système de missile à très haute optimisation, pardon, de rendement capable de tirer de tir rapide. D'accord, je vois pas ce que c'est du tout. Le RC60, C8, on peut dire que c'est le. L'unité GI et la P3X 6200 de score, regardez ça. On peut dire que c'est le robot là. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai un trou. Oh, je l'avais sur le bout de la langue tout à l'heure. Ah, c'est. Bon, je sais pas, je vais pas pouvoir vous dire, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc vous voyez 6200 de score, c'est énorme les gars. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.